La fête commence quand on casse des trucs. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watchmojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux vidéo qui ont brisé internet. Pour cette liste, on va s'intéresser aux jeux qui ont eu un immense impact en ligne jusqu'à réussir à s'inscrire dans la conscience collective. Nous n'inclurons pas de grosses révélations de l'industrie comme la PlayStation 5 de Sony. Les gros événements de ce genre auront droit à leur propre liste. Numéro 10, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Open your eyes. Ce jeu qui a accompagné le lancement de la Switch a brisé internet en cassant le moule de ce qui fait un jeu Zelda traditionnel et honnêtement, il a réussi à redéfinir les standards des jeux en monde ouvert à lui tout seul. Depuis la sortie du jeu en 2017, Breath of the Wild est devenu la référence que les autres jeux ont encore du mal à égaler, d'après certains. Le jeu a reçu des louanges quasi unanimes des critiques et est rapidement devenu le jeu Zelda le plus vendu de tous les temps. Mais en plus, son gameplay en monde ouvert fluide et l'incroyable attention aux détails inspire sans cesse au contenu en ligne de la part de joueurs qui veulent partager ce qu'ils ont découvert ou ce qu'ils ont accompli. Numéro 9, Destiny. It doesn't matter who you are, only what you will become. Malgré quelques galères non négligeables à ses débuts, Destiny a le mérite d'avoir démocratisé le modèle des jeux comme service sur console. Il est sorti en 2014 avec des critiques relativement positives. La majorité des critiques visaient l'histoire creuse du jeu et les choix de conception qui mettaient l'emphase sur le farming sans fin en quête d'XP ou de loot. Let's grab our loot. The Thunder Lord. Avec le temps, Destiny et sa suite ont mis à plat beaucoup des inquiétudes éthiques qui entouraient leur modèle de gameplay, ajoutant des éléments comme le format de passe de saison, rendant l'objectif du jeu plus clair. We really don't want to be a box product that you think of as being on a disc. We want to be a world that evolves and changes over time. Avec Destiny 2, qui est désormais free-to-play, la franchise est devenue l'un des FPS récents les plus populaires et ça ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Numéro 8, Super Smash Bros. Ultimate. A chaque fois qu'un nouveau perso est annoncé pour Super Smash Bros, ça devient LE sujet principal de discussion sur internet. Mais alors quand Nintendo a annoncé que tout le monde est là dans Smash Bros Ultimate, lors de leur direct à l'E3 2018, il y a eu un gros craquage de slip général. Sérieux, tapez Everyone is here reaction sur YouTube et faites chauffer le popcorn. Pour la première fois, tous les persos de tous les jeux précédents de la franchise sont dispo en plus de plusieurs ajouts. L'excitation était réelle et les fans n'ont pas pu s'arrêter d'en parler jusqu'à la sortie du jeu en décembre 2018. Depuis, Smash Ultimate est devenu le jeu de baston le plus vendu de tous les temps. Numéro 7, Untitled Goose Game. 2019 nous a fait nous poser une question très importante. Qui veut devenir une oie ? La réponse, c'est tout le monde. Ce qui a commencé comme une private joke au studio indé australien House House est devenu l'un des plus gros mèmes du jeu vidéo de l'année. Tout a commencé quand la bande-annonce du jeu est devenue virale en 2017 et que le projet a progressivement gagné de plus en plus d'adeptes en ligne. Une fois sa sortie en septembre 2019, le jeu a explosé les attentes, se vendant plus que certains titres de Nintendo comme The Legend of Zelda Link's Awakening. Yes, I really love this game. Tout à coup, des stars se sont pris au jeu de loi et ont partagé leurs facéties à plumes sur les réseaux sociaux. En 3 mois seulement, Untitled Goose Game a vendu plus d'un million d'exemplaires et a pris d'assaut internet. Numéro 6, Grand Theft Auto 5. Welcome to paradise. GTA V a débarqué sur la scène en fanfare en 2013, faisant le pont entre la 7ème et la 8ème génération de consoles, et son héritage se fait toujours grandement ressentir dans le monde du gaming. Comme beaucoup de jeux Rockstar, à sa sortie, il a été accueilli par quelques polémiques. Beaucoup d'associations et de groupes n'appréciant pas les thèmes et le message du jeu. Ce qui n'a pas empêché le jeu de battre des records de vente et de devenir le jeu le plus rapide à se vendre de l'histoire, gagnant son premier milliard de dollars en seulement 3 jours. Grâce au lancement par la suite de GTA Online et une communauté sans cesse attelée au mode, le jeu est encore pertinent aujourd'hui et est toujours dans le haut du panier en 2020. Numéro 5, Animal Crossing New Horizons.
Comme une grande partie du monde a été confinée en mars 2020, Nintendo n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour sortir le dernier opus de la franchise Animal Crossing. New Horizons était l'échappatoire parfait pour des millions de personnes bloquées chez elles. Le jeu a battu le record du nombre de téléchargements lors de son premier mois, se vendant à 5 millions d'exemplaires et il a été encensé par les critiques. Sa portée a même atteint les médias classiques qui ont couvert le phénomène. Le jeu a provoqué un pic de vente de la Switch, ce qui a même mené à l'épuisement des stocks de la console. Un jeu qui est donc un parfait exemple du pouvoir des jeux vidéo quand il s'agit de rassembler des gens pendant des moments troubles. Numéro 4, Five Nights at Freddy's. Internet a aidé à transformer ce jeu indé en une franchise faite de plusieurs suites, spin-off, bouquins et même d'un parc d'attractions. Le premier jeu est sorti en 2014 et a vite eu beaucoup d'adeptes. C'est devenu un sujet populaire pour des vidéos de format Let's Play sur YouTube et beaucoup de gamers populaires de la plateforme en ont parlé ou l'ont testé. Ah oh god, that actually scared me. Les fans se sont vraiment mis à fond dans l'univers en discutant sur Reddit et en créant des vidéos d'analyse de l'histoire. Il y a même eu un paquet de théories sur l'univers en jeu. Le jeu a aussi connu son lot de critiques pour les effets que les éléments d'horreur du jeu pourraient avoir sur les plus jeunes, qui pourraient se sentir attirés par les persos et les goodies de style cartoonesque. Numéro 3, Pokémon Go. C'est avec tendresse qu'on jette un regard sur 2016 et l'été de Pokémon Go. Ce jeu mobile a brisé Internet, mais pas que, il a brisé les barrières, encourageant les joueurs à sortir et explorer leur région ensemble. Pokémon a toujours été autant une franchise qu'un phénomène culturel, ce qu'a prouvé Pokémon Go. C'est devenu une mode virale sur les réseaux, le jeu étant apparemment mentionné plus d'un milliard de fois sur Facebook et Instagram le mois de sa sortie. L'application avait été téléchargée plus de 500 millions de fois fin 2015 et en mai 2020, Pokémon Go était le sixième plus gros jeu mobile de tous les temps, regroupant des millions de joueurs actifs. Numéro 2, Fortnite. Quand on parle de phénomène culturel dans le gaming, difficile de ne pas penser immédiatement à Fortnite. Le jeu est lancé en 2017 et a explosé avec la sortie du mode Battle Royale en free-to-play. Fortnite a fini par éclipser PUBG en termes de popularité, un autre Battle Royale dont il s'est très fortement inspiré. Fortnite est devenu extrêmement populaire chez les streamers, attirant un grand nombre de spectateurs sur Twitch et YouTube. Des stars comme Drake ou Travis Scott et des joueurs streamers pro comme Ninja ont battu des records de streaming en jouant au jeu, menant à la tenue d'événements live et même de concerts à l'intérieur du jeu. A ce jour, Fortnite reste l'un des plus gros phénomènes de culture pop des dernières années. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Minecraft. Let's go to a place where everything is made of blocks. Citez-moi un jeu qui est toujours autant d'actualité après tellement de temps. J'attends. Minecraft est potentiellement le jeu le plus influent de tous les temps, donnant naissance à d'innombrables vagues de contenu sur les réseaux sociaux et nourrissant efficacement la culture de streaming comme on la connaît aujourd'hui. My first video ever was a Minecraft video. Minecraft a popularisé les jeux en bac à sable et a emmené le genre à un tout autre niveau. Son approche de toile blanche pour le gameplay a permis aux gamers de laisser libre cours à leur imagination et leur créativité, tout en s'impliquant à fond à faire évoluer et développer le jeu. Aujourd'hui, Minecraft s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus vendu de tous les temps, et il accueille plus de 125 millions d'utilisateurs actifs. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.